C'est un roman classique français. Quand je l'ai écrit, je ne pouvais pas imaginer qu'on le filme autre part qu'en France. C'est un road movie. Donc, un des enjeux essentiels, ça a été de trouver des lieux qui font voyager, qui se ressemblent pas, qui donnent véritablement une impression de traverser le pays. Et il fallait styliser le réel pour arriver à une espèce de magie de conte. Dans le sud-ouest, on a trouvé pas mal de décors parfaits. Albi, Corte-sur-Ciel, Carcassonne. Ce sud-ouest, c'est une région que j'aime beaucoup. En vérité, toutes les séquences, en fait, elles sont fantastiques parce qu'il y a une émotion à chaque séquence. On est allé dans une autre région que je ne connaissais pas, qui est très belle, c'est l'Aubrac. C'était sublime, c'était des paysages de dingue. Ça t'amène une ambiance pour le début du film que t'as nulle part ailleurs. Action ! Le film se passe clairement en France et un tout petit peu en Angleterre à la fin. C'est le plus gros challenge technique du film. C'est formidable d'être dans des aventures aussi ambitieuses.